Yonjaro, qu'il me tue si c'est nécessaire, mais toi, t'as pas intérêt à l'ouvrir. Parle une bonne fois pour toutes, mon gars. Dis-moi où je peux trouver Rodolfo Aristigueta. Attendez, commandant. Écoutez, ce n'est pas vraiment le marché qu'on a passé, vous et moi, ça, pas c'est ça, mon marché. Tu es sur mon terrain, et sur mon terrain, tu dois savoir qu'on fait toujours les choses à ma manière. Parle. Yonjaro, t'as absolument rien à dire à ce type-là. Parle. Ou crois-moi, je lui fais voler la cervelle ici même. Vite. Alors, vous n'écoutez pas ou quoi? Tirez pour voir, on va voir si vous êtes si brave. Allez, tirez, mon ami, allez, faites voir. Tirez. Mais dites-moi, et Arturo n'est pas venu? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec vous? Attendez une minute, je... Pardon, mais là, je ne comprends vraiment rien de rien. Mais de toute façon, l'avocate s'en allait, maman. Et toi et moi, on doit parler d'une chose très sérieuse. Oh, s'il vous plaît, Trinidad, expliquez-lui. Expliquez-lui ce qui est en train de se passer. Expliquez-le à votre fils et pardonnez-moi, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il y a dans ce journal. Écoute, mon chéri, tu sais... Je crois que tu vas devoir attendre encore un peu, mon chéri. Ah, très bien. Regarde, Grégory. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je t'ai ramené des photos de Jessica et moi. Comme ça, tu peux en donner à tes copains qui doivent être dehors en train de t'attendre. Allez, allez. Trop oui, cool, mon chéri, et tu leur dis qu'ils te donnent un goûter là-bas, d'accord? Waouh. Voilà. Wow. Tenez, maître. Isabelle Vélez, Bogota, mars 2004. J'ai tellement peur pour mes parents. J'ai tellement peur, tellement. Mes parents me l'avaient bien dit. Je n'aurais jamais dû me marier avec Rodolfo. Jamais. Ça a été la pire erreur que j'ai pu commettre. Une erreur qui va se terminer par ma mort. Et j'espère qu'il ne se terminera pas par celle de mon bébé. Monsieur le commandant, qu'est-ce que vous allez gagner à nous tuer? On doit pouvoir s'arranger d'une autre manière. Pourquoi vous ne tirez pas? Allez, tuez-le! Simplement allez, parce que je suis en train d'attendre que tu me répondes, Yonjaro. Non, ne tirez pas parce que sinon vous allez vous retrouver pareil qu'avant, hein. Sans savoir où est l'ami de Rodolfo. Vous savez, ce mec-là a la meilleure raison du monde. Vous nous tuez, et après? Ayez confiance en nous, commandant. Je peux vous payer un bon prix pour les informations sur le temps que Rodolfo a passé ici, en Colombie. Oh non, mon pote. Le commandant n'est absolument pas intéressé par l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est rattraper Rodolfo, c'est vrai. Vous savez quoi? Je peux vous remettre Rodolfo vivant et remuant la queue quand vous voulez. Tu sais quoi, mec? Je sais que cet homme est de ta famille et tout, non? Mais c'est bon. Ne vous en faites pas, je vous le remets. C'est parce que quand les yeux ne voient pas, le cœur ne ressent rien. Alors quoi, commandant? On fait ou on ne fait pas cette affaire? Dites-le-moi. Vous commandez, j'exécute. Très bien, affaire conclue. Allez, t'en fais pas, Aristigueta. À ta place, je ferai exactement pareil. Isabelle, non! Barbarita, ma fille, sac à moulas! Qu'est-ce qui se passe? Barbarita, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe, ma grande? Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé! Ça a explosé avec elle à l'intérieur! Oh non, ne pleure pas, mon fils! Ne pleure pas, mon fils! Non, ne pleure pas! Eh ben ça!
On dirait qu'elle a le cerveau complètement brûlé, la petite. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Non, ma chérie. C'est simplement une forte fièvre. Il m'a poursuivi. Eh ben... Oh bon sang, elle a complètement disjoncté, on l'a perdue, je te jure. Tout va bien, Barbarita. C'est juste un mauvais c'était rêve. Isabelle. C'était Isabelle. Elle était en train de brûler dans la voiture. Non. Non, elle va très mal. Elle va très mal. À cause de l'enfant, elle n'est pas tranquille parce que je n'ai pas tenu ma promesse. Écoute-moi. Écoute-moi, ma fille, écoute. Tu es en train de délirer. De quoi est-ce que tu me parles? David, mon fils. J'ai pas su te protéger. Non, j'ai pas pu prendre soin de toi. Ta maman me le réclame. Non, je t'ai laissé seule. Je t'ai laissé seule, mon fils. Je t'ai laissé seule. Mon enfant, si tu pouvais comprendre pourquoi je t'emmène au Venezuela, David. Ici, nous n'avons pas d'avenir, bébé. Ces narcotrafiquants ne pardonnent pas. Rodolfo leur devait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Mon Dieu, qu'ils ne fassent pas de mal à mon David. Non. Non, Madame Trinidad. Ne lisez pas plus, s'il vous plaît. Vous la connaissiez ? Vous étiez de la famille? Oui. Quoi, de la famille proche? Isabelle était ma sœur. Oh, Sainte Vierge, protégez-nous. Oh, ma peau. Oh. Ah, mon bébé. Grâce à Dieu, tu vas bien. Ah, rassure-toi, mon cœur, parce que je ne vais pas te laisser tout seul. Tu entends? Je vais te gâter. Hein? Que Dieu te bénisse. Viens, on va jouer. On va jouer. Hein? Viens. Ah, regarde. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour. Oui, bébé. Oui. Ah, ma petite princesse chérie. Que Dieu te bénisse. Chut, pas de bruit. Ah, bébé. Mon ange. Tu sais quoi? Toi et moi, nous avons un pacte. Je te promets de prendre soin de toi, mon chéri. Jusqu'à ce que ta maman revienne. Oui, chut. Oui, mon chéri, oui. Que Dieu te bénisse. De tous les trois. Je vais prendre soin de vous trois. Et je ne laisserai pas Rodolfo vous faire du mal. Je ne le laisserai pas. Qu'est-ce qui se passe, ma jolie? Ça fait un moment que je t'attends dans la chambre. Viens ici. Tu veux me laisser seule? Le bébé est inquiet. Ça ira. J'arrive. Je suis bien plus inquiet que lui. Allez, viens. Viens. Calme-toi. Rodolfo Aristigueta est un être totalement méprisable. Mais comment j'ai pu me laisser tromper par cet homme? Comment j'ai pu croire ce qu'il disait? Comment fait-on? Comment trouve-t-on des rats? En se glissant et en rampant dans l'obscurité, dans les immondices. Primaco. Mais c'est la vérité, maman. Ce mec est un sale type, un animal sans sentiment, qui a utilisé sa femme et son fils. Maintenant, vous croyez en l'innocence de ma sœur, pas vrai? Climaco, s'il te plaît, tu ne vois pas qu'elle a compris et qu'elle souffre. Maintenant, vous avez enfin compris que Rodolfo Aristigueta a obligé ma sœur. Il l'a menacée. Et la seule chose qu'elle a fait, c'est défendre le petit garçon, votre neveu, le fils de votre sœur. Oui. Je sais. Et je sais aussi que Barbarita n'a pas tué Wilfried Melendez. Isadora l'a avoué. Enfin, ma fille, béni sois-tu, mon Dieu. Je sais que Barbarita a demandé la rançon de l'enfant parce que Rodolfo l'y a obligé. Mais... Pardonnez-moi, mais vous devez essayer de comprendre. Barbarita, à ce moment-là, avait usurpé l'identité de ma sœur et c'est... Mon Dieu, toutes les preuves l'accusaient. Bien sûr. C'est pour vous dire que c'était pas grave. Bien sûr, et vous vous y êtes accroché. Vous en avez profité, pas vrai? Parce que vous êtes la sœur d'Isabelle Vélez et vous ne pouviez pas mieux vous renseigner. Vous deviez faire en sorte que quelqu'un paie, non? Ça va, mon fils, ça va. S'il vous plaît,
Donnez-moi une chance, je veux pouvoir corriger mon erreur. Oh, maître, bravo. Et comment vous allez corriger votre erreur? Imaginez que votre erreur a fait que ma sœur a dû accoucher en prison. Climaco, mon chéri, l'avocate s'est déjà repentie. Oh, je ne vais pas pouvoir agir directement pour ce cas, mais je vais aider Arturo pour qu'il fasse un nouveau procès, pour bien. Barbarita. C'est déjà ça, non? Rodolfo Aristigueta va payer. Il va payer pour tout le mal qu'il vous a fait à vous tous. Et pour la mort de mon papa. Et pour toutes et chacune des larmes qu'il a fait verser à ma sœur. Attention, me voilà, ma belle Estella. Tu verras bien qu'un jour ton cœur m'aimera. Tu vas voir comment, dans cette pauvre chambrette, mon cœur bâtira un château. C'est comme ça que je voulais te voir, sale traître. Non. En train de festoyer. Non, Samir, moi, je ne fêtais rien. Comment peux-tu penser ça? Tu es fou, non. Tu ne sais pas, si, je suis en train de fêter, Tu sais ce que je fête? C'est parce qu'il paraît que le chef principal d'ici, de l'hôtel, s'en va, ouais. Alors je ne vais plus rester comme sous-chef, mais je vais être nommé chef principal. Où sont ma femme et ma fille? Non, crois-moi, elles vont bien, Samir. Elles vont très bien. Elles t'envoient même le bonjour. Mais tu sais quoi, Samir? Je crois que je devrais pas d'abord parler en premier avec Estella. C'est mieux pour voir si elle veut te parler à toi, et tu crois pas? Omar, je ne dois pas demander la permission pour voir ma famille. Non, bien sûr, Samir, évidemment. Comment ai-je pu penser ça? Écoute, on va faire un truc. Laisse-moi apporter ce petit déjeuner qui est très important. C'est pour le gouverneur qui est logé ici, dans l'hôtel. Tu comprends, hein? Omar, je suis vraiment désolé pour le gouverneur. Très bien, Madame Bernarda, nous sommes entre nous. Maintenant, vous pouvez m'expliquer quel est le motif de cette si grande urgence? La nomination de la nouvelle équipe de direction. Ah oui? Pardon. Mais c'est que vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi vous décidez-vous du jour au lendemain à faire ça? Oh, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Ça fait déjà un bon moment que j'y pense, depuis des mois. Bon, avec Gaëtan en prison et Miguel fugitif, il faut bien nommer une nouvelle direction. Ah, bien sûr. Et à qui avez-vous pensé, Madame Bernarda? À Hannibal, comme il s'imagine dans sa petite tête qu'il est le fils de Gaëtan, il va vouloir le remplacer. Bien le bonjour, jolie dame. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous voilà. Vous permettez? Installez-vous. Nous sommes ici pour représenter Gaëtan, hein? Mm-hmm. N'est-ce pas, mon chéri? Oui. Je pensais justement injecter un peu de sang neuf à la corporation colossale Funchal. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Tu allais vraiment laisser ce type me tuer? Je dois être fou pour avoir confiance en quelqu'un comme toi. Tu es exactement pareil que l'autre commandant Toro. Ah, bien, mes enfants, dépêchez-vous de manger parce que l'hélicoptère est prêt. Et où est-ce qu'on va? Comment ça, où on va? On va à Caracas. On va chercher ton frère. Non. Non, une minute. Et le marché? Où est l'information? Mieux qu'une information. Je vais plutôt vous donner un témoin de tous les crimes que votre frère a commis ici, sur ma terre. Notez-le là. Commandant Toro. Quoi, vous? Oui. Figurez-vous que j'étais justement avec Rodolfo quand ce sale type a tué l'avocat Daniel Vélez et son épouse. Allez, viens par là, prince, à sa maman. Oh. Je me rends. Je me rends. Où est-ce que tu caches mon Estella et ma fille? C'est bon, Samir, c'est bon. Je vais te le dire. Elles sont dans ma chambre. Dans ta chambre? Espèce d'ingrat. Je t'ai donné du travail. Je t'ai donné tout ce que tu as voulu. Et c'est comme ça que tu me remercies. Non, mais c'est pas du tout ce que tu penses, Samir. C'est pas du tout ce que tu penses. Écoute-moi, cette femme, je te promets que je ne l'ai jamais touchée. Jamais je l'ai touchée, et ça, je peux te le jurer, Samir. Parce que même si j'avais voulu le faire, je te jure, j'aurais pas pu, Samir. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que cette femme-là, elle t'aime. Tu vas bien? Ouais. Et vous?
Oui. Comment ça, mon commandant? Vous étiez dans ce coup-là aussi, alors? Non, seulement le problème, c'est qu'à cette époque, ce sale type me devait plusieurs millions qu'il m'avait volés en marchandises. Alors il m'a dit que ses beaux-parents allaient le payer. Je lui ai mis la pression et on est parti à la maison des parents. Des Vélez. Exactement. Mais en fait, le père Vélez n'a même pas voulu lui donner un seul centime. À ce moment-là, il est devenu complètement foudrage et d'un seul coup, il a tué le père et ensuite, quand la mère est arrivée, il lui a donné le même traitement, comme ça. Et vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait pour éviter ça? Et pourquoi moi? Premièrement, je n'ai rien à voir dans cette embrouille. Deuxièmement, moi j'ai vu beaucoup de règlements de compte par ici et j'ai vu des gens mourir. Et troisièmement, regardez ce qu'il m'a fait. Il a voulu me tuer. Mais moi, je suis toujours revenu d'entre les morts. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux que Rodolfo soit face contre terre? Mon Dieu, mon frère est fou. Je n'aurais jamais pensé que mon frère serait capable de ça. Accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi, parce qu'on va te couronner première dame. Mets ta tête d'épouse heureuse numéro 5 et que le spectacle commence. Rodolfo, Isadora. Ça va? Comment ça va, docteur? Comment te sens-tu? Et Laura? Moi bien. Non, non, Laura est formidable. Enfin, celui que Raimundo a à ma place. Je vais bien. La seule chose, c'est que je dois quand même diminuer de moitié l'adrénaline dans ma vie. Et c'est beaucoup. Bien sûr, oui. Tu dois faire attention à la diète et aux excès. Et faire ton check-up périodiquement. Oui, ça te semble peu? C'est vrai que ça m'a préoccupé quand tu as emmené Raimundo se faire opérer à Houston. Pourquoi? Tu vas pas me dire que les requins en savent plus que toi. Non, simplement, c'est qu'ici, nous avons aussi la technologie de pointe et nous savons le faire. Mais bon, je ne sais pas, il m'a semblé que ce voyage n'était pas nécessaire. Ça ne l'était pas? Là-bas, ils m'ont même laissé choisir le rein que je voulais acheter. Par contre, ici, c'est à moi qu'on aurait pris mon petit rein. Oh, Rodolfo, pardon, excuse-moi, c'était sans le vouloir. Qu'est-ce qui se passe, Rodolfo? Tu te sens mal? Non, non, rien, c'est juste que lorsqu'on vous enlève un rein, qui vous soyez, il vous reste une certaine hypersensibilité sur la blessure, mais c'est rien, rien, non, non. Qu'est-ce que tu racontes encore? Hé là! Comment va le héros de la famille? Bien, bien. Mais pourquoi t'es surpris, mon grand? C'est vrai, ton frère ici est une vraie plaie. Ça te paraît pas grand-chose, tout ce qu'il a fait à ta famille, ou quoi? Écoutez-moi bien, je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. Si j'avais tué ces personnes, croyez-moi, je vous le dirais. Mes morts sont mes morts, tandis que les morts des autres, non. Mon Dieu. Mon frère est malade, hein? Tuer ses beaux-parents pour de l'argent. Comment peut-il être si vil, si monstrueux? Écoutez, ça suffit maintenant les lamentations, alors arrêtez de couiner, vu? Et emmenez-moi auprès de lui pour que je lui fasse payer chacune des balles qu'il m'a mises. Ouais. Je résume pour tout le monde. L'homme est là, le pilote est là, alors on va mettre la main sur Rodolfo, oui ou non, commandant Toro? Faites attention de ne pas me jouer un mauvais tour parce que je vais vous surveiller de très près. Attention. On y va. Venez. On arrive. Tu vas voir que tout va s'arranger, ma petite princesse. Et ensemble, et très unis, on va aller de l'avant, toutes les deux, d'accord? Parce que toi, mon caramel d'amour, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Oui, elle est là, ta maman. Je t'adore, ma puce. Estella. Ah, ma fille, bois. Je t'ai amené un petit peu d'eau. Fais voir. Ah, tu as encore de la fièvre, Barbarita. Hier soir, tu étais vraiment très mal en point, ma fille. Oh, Félicité. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça me fait mal, là. Ah, oh, quelle injustice, mon Dieu. Cet enfant en train de boire du lait maternisé pendant que les seins de sa mère explosent. C'est dur. Félie. Mon bébé devrait être juste ici, collé à moi. Comment va-t-il, Félicité? Est-ce qu'on le nourrit bien? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Rien, ma fille. Espérer et avoir la foi, ma chérie. Attendre quoi, hein? Que les années passent et que je puisse sortir le chercher? Non, Philly. Ça ne servira à rien. Mon enfant ne va plus m'aimer. Il ne va pas comprendre ce qui nous est arrivé. Écoute, Barbarita. Ce monsieur qui est tout là-haut nous frappe parfois d'une main bien sévère, tu sais. Mais tu peux être sûre qu'il ne nous oublie jamais. Hein?
Et toi, encore moins. Il ne pourra jamais t'oublier après tout ce que tu as enduré pour sauver mon petit David, ma chérie. Debout, mesdemoiselles. Vous avez de la visite. Bonjour, Félicité. Bonjour, Barbarita, ça va? Certainement pas aussi bien que vous. Alors je peux vous assurer que vous allez aller mieux parce que je vous apporte de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui te prend de me poursuivre comme un policier? Et toi, espèce de traître, ne t'approche plus jamais de moi. Vous ressemblez à une paire de phoques affamées dans un cirque de seconde zone. Qu'est-ce que vous pensiez, hein? Que j'allais être émue en vous voyant tout mouillé? Eh bien non, vous êtes pathétique. Ah, merci. De rien, vous vous séchez, vous vous habillez, ciao. Estella, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais j'ai besoin de parler avec toi. Non, beaucoup d'erreurs, non, énormément d'erreurs. Depuis que je te connais, tu n'as jamais rien fait de bien, Samir. Bon, c'est très bien, mais on va d'abord faire un truc. On va tous baisser la voix, d'accord? Parce que le bébé est là avec nous, alors si on veut vraiment parler, on va d'abord essayer de parler comme des adultes, d'accord? Avec objectivité. Objectivité zéro, Omar. Ici, la seule objectivité, c'est que tu me laisses seule avec ma femme. Tu as compris? Ah oui, maintenant je suis ton épouse, maintenant je suis ta femme. Et tu étais où quand cette femme était enceinte de 9 mois? Tu ne m'as pas appelée, tu ne m'as pas écrit, tu devrais avoir honte. Estella, je ne savais rien. Écoute, Samir, tu sais quoi? Toi, tu n'as pas à venir me donner des ordres, ni vouloir changer le prénom de ma fille, ni sa religion, tu m'as compris? Retourne d'où tu viens! Et voilà, comme ça c'est sûr, on n'arrivera jamais à rien. Estella, si quelqu'un s'est éloigné ici, c'est toi. Samir, et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Dis-moi, hein? Tu m'as laissé seule pendant le mariage, tu es partie et tu m'as humiliée! J'ai toujours su que tout ça allait très mal se terminer, et ça je te l'avais dit, Samir. Tu n'as pas le droit de me réclamer quoi que ce soit. Tu devrais plutôt embrasser le sol sur lequel je marche et me demander 1000 fois pardon. Tu as entendu mon prince, à genoux. Ça suffit, Estella. Je sais que j'ai commis énormément d'erreurs. Mais je te dis une chose. Ou bien tu me suis avec ce petit ange, ou je te prends ma fille. Autre chose, je me battrai pour elle jusque devant les tribunaux. Vous êtes en train de me dire que moi... Tout à fait, Félicité. Vous êtes libre. Oh, mon Félicité. Dieu, ma chérie, ma chérie. Oh, Félie, quelle joie. Attention, ma chérie, attention. Tu as vu ma puce? La justice est lente, ma chérie, mais elle arrive. Et toi aussi, Barbarita, je t'assure que très bientôt, tu vas être hors de cette prison. Moi... Mais comment? Je viens de consigner une preuve extrêmement importante qui va démasquer Rodolfo Aristigueta. Le journal d'Isabelle Vélez, c'est ça? Oui. Je suis dans mon pays. Et dans ce pays, le droit d'une mère prime sur n'importe quoi, tu as compris? Alors tu peux t'amuser à me menacer tant que tu veux, mais ma fille, tu n'enlèveras jamais, c'est clair. Estella, pour la dernière fois, où tu viens avec moi? Je ne pars pas avec toi parce que je n'ai pas besoin de toi. Désolée, tu disais que je n'étais qu'une opportuniste. Et regarde-moi, dans cette toute petite chambre, sans commodité et sans argent, sous la protection de Mar et avec mon bébé. Dis donc, mais c'est joli tout ce que tu viens de dire. Comme c'est joli. Tu dis ça uniquement pour non, me faire Samir, mal. Non, Samir, ça va. Estella, la tête creuse, a choisi. Elle a choisi d'être une mère célibataire. Et elle a choisi de rester sans ton argent, sans ton émirail, sans la protection de sa mère. Écoutez, ex-chef, je vais vous donner un petit conseil. Ne vous en prenez jamais à une mère célibataire. Parce qu'une mère célibataire, ex-chef, c'est comme une bête sauvage quand il s'agit de défendre ses petits. Je me battrai pour ce que je veux. Écoutez, chef, on va essayer d'être clair sur quelque chose. Pendant les 9 mois qui se sont écoulés, vous n'avez même pas senti le parfum de l'air d'ici. Alors, je crois pouvoir dire que vous n'avez pas d'autre option que négocier. Oui, mais seulement si moi j'en ai envie. Non, mais Estella, enfin, les choses ne sont pas non plus comme ça. Écoute, au nom des erreurs, au nom des malentendus, au nom de l'amour, au nom de cette créature magnifique, allez, on négocie. Négocions, même si c'est moi qui dois sortir perdant de toute cette histoire. Ma fille est à moi et elle sera élevée comme je le veux. La petite est à moi. Tu comprends ça? Et elle sera élevée selon mes croyances. Bravo, bravo, mais ça c'est ce que j'appellerais des négociations de boxeurs. Devant les tribunaux, on verra bien qui a raison. Mais devant les tribunaux internationaux, tu as compris? Les tribunaux internationaux. Bon et alors, vous deux, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en train de manger en silence comme des robots. Quoi, moi? Non. Moi non plus, il n'y a rien de spécial. Je suis normal. Non, bien sûr, il n'y a rien, mamie. C'est tout à fait normal dans cette maison, de manger comme ça, sans parler. Mmh.
Depuis quand, ici, dans cette maison, à l'heure la plus sacrée, celle du repas, on entend les mouches voler? Oh, Tabata, ça va. Toi aussi, Grégory. Vous allez vous y mettre tous les deux? Oh, très bien. Si ça vous plaît comme ça, si vous ne voulez pas vous confier à la famille, eh bien, tant pis, comme vous voudrez. Mais surtout, ne venez pas vous plaindre ensuite quand vous aurez toutes vos dents qui tomberont une par une. Bon, ce qui se passe, c'est que... Tonya, c'est que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien, je pensais à... à Barbarita et à l'enfant. Et je pense aussi au Portugais. Et bon, comme le Portugais n'a pas pu voir la naissance de sa fille, il n'a pas vu... il n'a pas vu non plus la naissance de son petit-fils. Donc... voilà. Et toi aussi, tu fais une tête de hérisson qui vient de se faire écraser. Et pas pour un, mais pour deux bébés. Ça va pas, Tabata? Quoi, deux bébés? Ça va pas, ma fille? Arrête de me gonfler. Je vais ouvrir. Papa? Fiston, quelle heureuse rencontre. Toi et moi, nous avons une petite conversation qui nous attend. Une conversation de père à père. Quoi? Hein? De quoi tu parles? Oh, Félicité. Pardonne-moi d'avoir révélé l'existence de ce journal. Non, ma fille. C'est moi qui ai mal fait, pas toi. Félicité, comment avez-vous pu vous déclarer coupable de l'enlèvement de l'enfant et par contre cacher une preuve aussi importante? Une preuve qui signifie votre liberté, celle de Miguel, celle de Gaëtan et même celle de Barbarita. Eh bien, je l'ai oublié, maître. Écoutez, je suis allée cacher ce journal dans ma chambre et j'y ai tellement cru que j'ai pensé que tout ça n'existait pas. Et puis, comprenez-moi toutes les deux, j'avais surtout besoin de cacher à tout le monde et à moi-même le type d'homme qu'est Rodolfo. Ne vous en voulez pas, Félicité. Nous cachons tous les choses les plus douloureuses. Ah, Maître Ferrer, et vous croyez vraiment que ce journal sera suffisant pour condamner Rodolfo de tout le mal qu'il nous a fait? Bien sûr, Barbarita. Ce journal est écrit de la main et de la plume même d'Isabelle. Elle y raconte tous les doutes qu'elle avait au sujet de Rodolfo et combien elle avait peur pour sa vie et pour celle de David. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Vous savez ce que c'est d'avoir un enfant ici dans le ventre pendant 9 mois et que des années plus tard, il soit devenu un monstre? Mais il faut l'arrêter, Félicité. Parce que sinon, cet homme va en finir un à un avec tous ceux qui sont dans son entourage. Bien, mon chéri, dépêche-toi parce que tu vas encore arriver en retard à l'école. Allez, allez. Non, vas-y. C'est pas du jeu, maman. Quand est-ce que je serai assez grand pour écouter les meilleures histoires de la famille? Non, allez, tu grandiras à temps et en heure. Tu grandiras à temps et tout. Bien, ok. Dépêche-toi, allez. Je m'en vais. C'est du propre, hein? Et alors? Ah. Jean-Denis, explique-nous un peu. On aimerait savoir ce que tu voulais dire par « de père à père ». Eh ben... Et très clairement, sans embrouille, hein, parce qu'ici tout le monde t'a entendu parfaitement. Le loup n'aurait pas dû sortir du bois. Ah, mais... Ça va, laisse-le tranquille et laisse-le parler. Je veux savoir ce que tu es venu me dire. Comme tu viens de le dire, je suis venu le dire à toi. Pas à cette fourmilière de gens comme si... Oh. Je ne sais et pas où on était. J'entends. Écoute, Jean, tu oublies un petit détail. Ce garçon est mon fils aussi. Oui, je sais, mais... Alors il va falloir que tu t'expliques tout de suite, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas con, mais ça va se dire seulement une chose qui me regarde. Arrêtez, qu'est-ce qui vous prend là? Arrêtez! Laissez-le en placer une. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Et s'il te plaît, dis-le devant tout le monde, parce que j'ai de secret pour personne, alors vas-y. D'abord, je ne suis pas du tout en train d'insinuer, mais plutôt en train d'affirmer que les enfants de ta vie, Diana, sont tes propres enfants. Je l'avais dit. C'est toi le vrai papa authentique, unique et indéniable des enfants de la Viviana Miagno, c'est tout. Oh, mon petit trésor. Tu es vraiment le portrait craché de ton papa. Ce regard toujours très doux. Cette sérénité qui me faisait me sentir si bien, en sécurité. Tu sais, avec lui, je n'avais jamais peur de rien. Je me sentais protégée. Et malheureusement, aucun rêve aussi parfait ne peut être éternel. Mais bon, au moins je vous ai tous les deux.
Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Et ça me suffit. C'est vrai, toi et ta petite sœur, vous serez toujours les plus jolis et les plus beaux. Souvenirs de l'amour de Climaco. Je comprends toujours rien. Comment ça te... Tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Dis-moi, comment ça, je suis... Climaco, moi, je suis Climaco, le papa des deux enfants de Liliana, moi. Quand je te dis que les murs ont été repeints, je le sais, parce que c'est moi qui ai vendu la peinture. Oui, petit frère, crois-moi, ce que dit papa, c'est vrai. Il faut vraiment que tu vois le petit, il est exactement comme toi. Écoute, Climaco, je crois que tu devrais parler avec cette jeune fille. Climaco, mon petit, je me souviens quand je t'ai eu, enfin non, je t'ai pas eu, mais quand tu étais nouveau-né, je t'ai pris dans mes bras. Et je t'ai bien regardé. Et ce petit bout de chou, c'est... ton image à l'identique. La seule chose qui lui manque, c'est seulement des cheveux comme toi. Oh, Jean de Dieu, bon sang, vraiment, on peut dire que tu es pire que le dicton. Il faut te donner moins d'une claque pour que tu parles et plus de 45 pour que tu te taises. Écoute, le petit bébé, c'est vrai, il est là, il est noir. Mais qui a dit que les bébés se ressemblaient les uns aux autres? Qui l'a dit? Quand? Explique-moi une chose. Explique-moi pourquoi il aurait cette couleur, alors. Et là, il y a du sang noir de haut en bas. C'est vrai, oui. C'est vrai. Moi, je dis que du côté de Viviana, non. Mais du côté de Raimundo, c'est possible. Mais attends une minute, je... Et maintenant, je fais quoi? La première chose que tu dois faire, c'est réfléchir. Hmm? Oui. Écoute, en plus, moi, je le sais de source digne de foi que ce sont bien tes enfants. Parce que Viviana, la blondinette, ne s'est donnée à personne, sauf à lui. Et toi, comment tu sais ça? Qui me l'a dit? Mais la grand-mère des deux petits noirs, bien sûr. La mère Méagneau. Ah, Félicité. Prends bien soin de toi et donne un bisou à David de ma part. Hein? Oui, ma chérie. Ne t'en fais pas, tu sais. Je vais aller à la maison d'Isadora pour lui demander du travail. Comme ça, je pourrai m'occuper de ton bébé et de mon petit David, ma chérie. Je crois pas que Rodolfo accepte maintenant qu'il est marié avec Isadora. Il vaut mieux que tu cherches Gaëtan. Demande-lui de trouver Miguel et qu'il lui enlève notre petit bébé. Qu'il l'enlève, cette espèce de monstre. Oh, Félix, je te demande quelque chose de très difficile, mais... Mais je sais aussi que toi, mieux que personne, peut comprendre le danger que court... mon bébé à côté de Rodolfo. Je te comprends, ma chérie. Je te comprends, mais je veux que tu prennes soin de toi. Que tu prennes soin de toi parce que je vais t'attendre. Je vais t'attendre. Promets-le-moi. Promis. Maintenant, celle qui promet, c'est moi. Pour la mémoire d'Isabelle et pour son fils que tu as sauvé, je te promets, Barbarita, que tu vas sortir de cette prison pour être avec ton bébé. Promis. Et toi, toi? Ma bagarreuse préférée, ma Sacamuelas. Comporte-toi bien et prends soin d'elle, Sacamuelas. Prends soin d'elle. T'inquiète pas, Félicité. Et comporte-toi bien pour qu'on réduise ta condamnation à toi aussi. Allez. Déjà? Oh, ma fille. Courage, Félicité. Courage. Laissez-moi vous aider. Je t'aime beaucoup, tu sais. Tu vas pas te mettre à pleurer, Barbarita, parce que t'es pas seule ici. Je suis encore là, moi, ma belle. Et t'as pas intérêt à oublier que je suis armée jusqu'aux dents pour t'aider dans la grande bataille que tu mènes. Merci à tous d'être venus. Je sais que ce n'est un secret pour personne ici, mais les circonstances sont particulièrement difficiles en ce moment. Notre directeur, actionnaire majoritaire et grand ami, Gaëtan Nascimento, et mon petit-fils, Miguel Aristigueta, qui a été sur le front de cette entreprise pendant quelques années et qui s'est très bien débrouillé, il faut le rappeler. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que pour moi, tout ça est encore très douloureux. Madame Bernarda, je crois qu'il est encore temps. Nous pouvons suspendre la réunion. Non, Emma, je vais bien. Je peux et je veux le faire. Très bien. Je vous ai tous convoqués ici parce que
j'ai décidé de nommer un nouveau président de l'entreprise qui aura les pleins pouvoirs. Ce sera l'aîné de mes petits-fils Rodolfo Aristigueta. Quoi ? Ah non, 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 non. Là, je proteste, Bernarda. Je m'oppose à cette décision. Enfin, ce n'est pas juste pour mon fils Hannibal. Ce n'est pas possible, Madame Bernarda. Je ne le permettrai pas. Tu ne nous escroqueras pas encore une fois. Je te jure sur ton sang de traître que tu n'auras pas ce poste. Attendez une minute, je veux d'abord savoir où vous m'emmenez. Hé, Portugais, où tu vas comme ça? Mais je ne sais pas où il m'emmène. Attendez, je ne vais nulle part, je suis déjà passé au tribunal et j'ai une sentence ferme et je suis prisonnier, mais attention, je connais mes droits. Non, 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 il n'est pas question que je bouge d'ici tant que vous ne me dites pas où vous m'emmenez. Allez chercher mon avocat. Tu es libre, Portugais. Libre? Oui, tu es libre. Libre, mais comment ça, libre? La présidence de l'entreprise revient naturellement à mon fils Raimundo. Il a déjà été président une fois et il possède ses actions à lui... Celle de Viviana, alors que Rodolfo n'en a jamais eu aucune. Non, messieurs, dames. Non, messieurs. Attention, ici, le candidat idéal, c'est Hannibal, mon fils, qui en plus a passé plus de temps dans l'entreprise, par ancienneté, on peut dire. De plus, il représente ici Gaëtan, qui est quand même actionnaire majoritaire. Pas vrai, mon poussin? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demanderai à tous de vous calmer. Je me sens obligée de vous rappeler quelque chose. Premièrement, Gaëtan et moi-même avons exactement le même nombre d'actions. Et comme Gaëtan va devoir sûrement passer 2 ans loin de l'entreprise à cause de la sentence, moi, je vais en assumer toute la responsabilité. Les décisions, c'est moi qui les prends. Deuxièmement, c'est vrai, Raimundo a été président de l'entreprise pendant un court moment. Mais dans les circonstances très difficiles que je ne veux pas rappeler maintenant, eh bien, on lui a retiré ce poste. Et Hannibal a été impliqué dans la même histoire. Mais enfin, Madame Bernarda, de l'eau a coulé sous les ponts depuis ça. S'il vous plaît, qui se souvient de ce petit détail? Emma, Nena, n'entrons surtout pas dans des détails dont nous aurions honte. Tu as raison, grand-mère. Je reconnais que mes agissements et ceux d'Hannibal n'ont pas été une expérience très agréable pour l'entreprise. Écouterai. Ni pour nos familles. S'il te plaît, parle pour toi, d'accord? Parce que moi, je n'étais qu'en pantin. C'est bien. Reconnaître ses erreurs, c'est courageux. Et je te félicite, Raimundo. Alors, puisque c'est comme ça, Madame Bernarda, et vu que vous avez déjà pardonné à Rodolfo, pourquoi vous ne pardonneriez pas à Raimundo? Parce que j'ai quand même souvenir que dans un passé proche de nous, Rodolfo a été dans des situations assez, dirons-nous, délicates, à tel point qu'il a bien mérité son expulsion de la famille. Emma, l'erreur est humaine. Et pardonner est important. Et toi, comme mère, tu devrais quand même le savoir. Raimundo et Rodolfo sont tes fils, tous les deux, ou non? Ah, Donia Bernarda, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à assumer la présidence de l'entreprise, bien sûr. Et vous n'aurez plus qu'à vous appuyer sur les 3 autres comme second. Rodolfo, Raimundo et mon petit poussin, moi. Oh non. Nena, il faut assumer son âge, parce qu'il faut au moment adéquat savoir céder la place aux plus jeunes. Et il faut au moins le faire avec dignité. Bien, messieurs, dames, en tant que présidente de cette direction et en tant qu'associée majoritaire de Colossal Funchal, et pour la santé de l'entreprise, j'ai décidé de nommer Rodolfo Aristigueta directeur général de l'entreprise et vice-président de cette direction. Tu nous fatigues, Portugais. Tu es libre, alors va-t'en. Allez, tu peux rentrer chez toi. Mais, attendez une minute, je sais. Vous, ce que vous voulez, c'est prétendre que je me suis enfui. Comment ça que tu t'es enfui? Allez, rentre chez toi. Et n'oublie pas, quand tu seras chez toi, de nous envoyer des fruits. Dites-moi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Calirio? Non, mon cher Gaëtan. Arturo? Monsieur Gaëtan, je ne sais pas qui est Calirio. Mais vous pouvez quand même m'embrasser parce que j'ai réussi à diminuer votre peine de prison. J'ai été la première à me méfier de mon petit-fils. Mais dans ces temps si difficiles pour notre famille, Rodolfo a tout de même prouvé une générosité incroyable. Merci beaucoup, grand-mère. Et moi, j'appuie totalement cette décision de ma grand-mère Bernarda. Et puis, si vous le permettez, je voudrais quand même profiter de l'opportunité pour remercier mon frère Rodolfo de m'avoir sauvé la vie. Messieurs, ce n'est pas n'importe qui peut donner son rein. Merci, frérot. À propos de ça,
Puisque tu en parles justement, je voudrais vous dire que... Non, tu n'as pas besoin, tu n'as absolument pas besoin de me remercier, ni que tu me fasses un peu de pub, Isadora. Tu n'as pas besoin, vraiment. C'est le minimum qu'un frère puisse faire pour un autre. Ça, c'est gentil. C'est vrai que notre troisième frère ne l'a pas fait, mais bon, il faut ce qu'il faut. Comme on dit, noblesse oblige. Non, tu ne dois pas me remercier, Raimundo. Mais ce fut un plaisir. Mais cette générosité n'est sûrement pas un aval suffisant pour lui donner la direction et les pleins pouvoirs d'une compagnie d'une telle envergure. Je ne sais pas, Madame Bernarda, je crois que vous devriez y repenser. messieurs, le motif... Messieurs, s'il vous plaît, le motif de cette réunion est de vous informer de ma décision relative à la nomination. Et cette décision, je la ratifie et je veux savoir si je peux compter sur votre appui. Sanchez, s'il vous plaît, faites le décompte. Oui. Je vote oui. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi. Hannibal, pour Gaëtan, tu ne peux quand même pas me faire ça. Stop, hein? Baisse la main, baisse la main. Aidons voter la nomination de Rodolfo Aristigueta en tant que nouveau directeur général de l'entreprise et vice-président du comité de direction. Très bien, merci énormément à tous et on se voit dans le hall pour la signature de l'acte. J'arrive pas à le croire. Vraiment, je te jure, je ne crois pas. Moi. Eh bien, croyez-y et profitez-en, Gaëtan. Maintenant, vous pouvez refaire votre vie. Et moi, je suis ici pour vous aider. Je te remercie beaucoup. Alors, dites-moi, où est-ce que je vous emmène? Je voudrais bien voir ma fille. Ça, ce sera plus tard, Gaëtan. Je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour de visite dans la prison pour femmes. Pauvre Barbarita. Non, vraiment. La pauvre. Soyez tranquille, Gaëtan. Je suis en train de travailler sur son cas. Un de ces jours, on va avoir la surprise de la voir enfin sortir de cet enfer. Très bien. Mais maintenant, je peux vous emmener à l'entreprise, si vous voulez. Ça, c'est une bonne idée. Mais pas à Colossal Fulchal. Tu vois, j'ai une petite affaire en cours que je suis en train de monter petit à petit. C'est l'affaire... de Trinidad. Et je voudrais que tu m'emmènes à la maison de Trinidad. C'est possible que tu m'y emmènes? J'ai bien envie de voir la tête de Trinidad quand elle saura que vous êtes libre. Tonia Bernarda, vous n'avez pas la moindre idée de l'erreur que vous venez de commettre. Vous devez... Oh, Nina, s'il te plaît, ça suffit. Tonia Bernarda. Ça suffit. Et toi, comme un idiot gentiment en train de lever la main, imbécile. Si tu t'étais bien comporté et si tu avais marché droit quand Gaëtan Miguel était ici, tu serais déjà le président de Colossal Fulchal. Écoute, maman, tu vas arrêter de me gonfler, d'accord? Parce que moi, je connais Rodolfo et la couronne, c'est la couronne. Et puis, tu ne pensais quand même pas assumer les responsabilités de l'entreprise, maman. Vu ta dernière occupation... Écoute, Hannibal Altunes, respecte-moi parce que je suis ta mère. Et je sais très bien différencier une chose intime et personnelle et d'autres que sont les affaires. Respecte-moi. Très bien, mais j'espère que tu tiendras ta promesse. Parce que dernièrement, je ne te reconnais plus, maman. Et voilà, Rodolfo, comme tu le vois, je parie à nouveau sur toi. Et je suis en train de donner mon aval à toutes ces directives. Mais attention, parce que je vais t'observer. Et de très près, alors marche bien droit. Toujours tout droit, grand-mère, comme un petit soldat de plomb. Emma, on doit faire quelque chose. Rodolfo est en train de gagner du terrain et il obtient absolument tout. Écoute, il a déjà totalement amadoué Madame Bernarda. Il a enlevé le fils de Barbarita, qui grâce à Dieu est chez moi. Et maintenant, il prétend en plus à avoir... Ça ne m'intéresse pas. Assez, Isadora, assez. Quand seras-tu enfin convaincue que ce qui arrive à cette femme et à son enfant ne m'intéresse pas du tout? Mais enfin, Emma, s'il te plaît... Ça suffit, Isadora. Laisse-moi tranquille. Mais ça ne va pas en rester là. Tu ne resteras pas avec la poule aux œufs d'or, Rodolfo. Tu n'es le fils de personne. J'arriverai bientôt à ta perte, pauvre bâtard. Tu l'auras bien cherché. Pero blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella está ya en mi